Personne. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ah, ça y est. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Une personne. Mais ça doit bugger, hein. Donc, bonsoir à tous, donc ça y est, on est à la chapelle, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc le soleil est couché, ça y est, 9h01 est passée. Donc on va positionner les détecteurs de mouvement à chaque extrémité des portes d'entrée pour faire venir les entités s'ils ont envie de communiquer avec nous. Donc on va faire ça. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je pense que ça va passer. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez regarder en replay, hein, les amis. D'accord ? Donc, c'est parti. Donc, je vais positionner... Donc, il a fait une super journée, ici. On a eu de très grosses températures. Je dois regarder la température... Alors Celsius, mais bon, on est à 93 Celsius, donc la fraîcheur là-bas, c'est plus frais là-bas. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. On va voir. Donc alors, positionnement du matos, j'adore. Voilà. Hop. Quand ça sera la nuit. Ah, ça y est, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu. Bonsoir, Candy. Bonsoir, Sylviane. Merci d'être là. Ah, désolé, ça a bugué. Hein. Donc, j'ai positionné le matos. Donc, il fait encore jour. Hein. Il y a un peu de musique au fond. Il y a encore les cigales. On verra ce qu'on aura. Donc bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Ah, ça doit bugger, je pense que ça doit bugger. Ça bug. De toute façon, je laisserai le replay, hein. Donc, parce que la connexion a l'air de marcher un tout petit peu ici, mais c'est pas net. Donc voilà, donc nous nous trouvons en direct à la chapelle, donc la première enquête de la saison 2. Donc j'espère que vous allez tous bien, donc moi ça va. Danny aurait pu venir, mais il a trouvé encore une excuse pour pas venir, donc c'est pas grave, on a l'habitude. C'est tant pis pour lui. Mais bon, comme vous avez pu le savoir cette semaine par rapport à son live, il a dit qu'il avait perdu son oncle.
et qui réfléchissait à savoir s'ils continuaient ou pas les enquêtes. Donc moi, comme vous devez savoir, je ne suis pas quelqu'un qui force les gens à faire quelque chose. Donc c'est à lui de prendre la décision, c'est pas à moi de le forcer à l'arrêter. Donc voilà, donc Dany, si tu écoutes ce message, ben c'est à toi de choisir. Voilà. Donc quoi que tu feras, tu prendras toujours la bonne décision. Voilà, c'était la petite parenthèse pour Dany. Voilà, donc là, ben, nous sommes bien placés avec la lune. Donc j'ai déjà déposé le matos. Donc le détecteur de mouvement. Il y a un tout petit peu de vent qui se lève, mais c'est pas méchant. Et donc nous avons positionné encore un. Nous allons voir. On va demander aux insectes. Coucou. Coucou Karine. Merci de regarder le live. J'espère que vous allez tous bien. De partager. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, donc nous nous trouvons dans la fameuse chapelle Saint-Sixte. Donc voilà, le lieu de l'enquête. Donc comme vous avez pu, comme vous pouvez imaginer, bah, c'est une chapelle qui date du 12e siècle. Hein. C'est un art romain. Romain. Et cette chapelle, pendant le Moyen-Âge, ben, quand il y a eu la peste, ben, elle a été une pièce où les gens mettaient les malades qui avaient la peste et les mettaient à l'intérieur. Voilà. Donc je pense qu'on aura sûrement des résultats, on verra. Juste avant que le live commence, nous avons une personne qui nous accompagne pendant sur notre enquête qui a été... on va dire bousculé. Hein, comment tu... Hein, n'aie pas peur. N'aie pas peur, il n'y a pas rien à faire. Ah, vas-y, si tu peux expliquer ce qui t'est arrivé. D'accord. D'accord, donc elle a senti quelque chose qui s'est te rabaisser, en fait, c'est ça? Hein? Ok. Et donc ça s'est passé pas très loin de là-bas. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est... Bon, en tout cas, ça... enfin, c'est pas très gentil. Hein. Alors est-ce que ça montre qu'ils sont là? Je ne sais pas. Ou qu'ils nous attendent. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Attends, Loser, c'est Liane. Ok. Ça marche. Eh oui. C'est dans les Bouches du Rhône, tout à fait. Voilà, avec le coucher de soleil. Alors, n'hésitez pas à partager. Hein. Salut Kenzo. Comment tu vas? Non, je pense que c'est Clara quand il fera bien, vraiment bien nuit. Ne détecte pas. Eh oui. Ah, il y a de très beaux lieux, hein, de toute façon, hein, comme vous pouvez le remarquer. Hein. Et comme je vous ai dit, bah, c'est un lieu de tournage de films, hein, mais aussi d'enquête. Étant donné l'histoire. Merci beaucoup, Kenzo. Hop, pause. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que... Voilà, quoi. Donc voilà la fameuse chapelle. De m'éloigner pour que vous voyez le lieu en lui-même avec les oliviers et tout. C'est un lieu magnifique. Magnifique. Après, à savoir si on va avoir des résultats, je ne sais pas. On va voir. Ça y est, GG, t'es là. C'est décalé, hein. Il y a GG qui est avec moi et qui regarde le live aussi. Coucou GG. Donc GG est là, hein. Voilà, et donc il vous fait un petit coucou. Ah, et... ah, ça coupe. Ah, oh, merde. Merci. Merci, très beau. Bah oui, c'est un lieu très, très beau. Ah, ça coupe.
c'est dommage. Bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons commencer l'enquête. Donc, nous sommes en direct à la chapelle Saint-Sixte. Donc, je suis avec Gégé et sa famille. Coucou Gégé. Voilà. Donc là, vous me voyez aussi. Vous voyez. Donc, on a positionné deux détecteurs de mouvement. Donc, un devant la chapelle et un devant la porte du jardin. Parce que comme vous avez pu le constater, vous verrez sur les photos, il y a un petit jardin de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il cache des tombes? Je ne sais pas. On peut imaginer. Parce que ce lieu est riche en histoire, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, et comme vous avez pu le constater. Si vous tapez chapelle Saint-Sixte, vous allez voir que cette chapelle est très riche. Voilà, donc on a commencé l'enquête. Bon, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Donc, pour le savoir, nous avons positionné deux détecteurs, d'accord, de mouvement. Donc, c'est des lampes qui s'allument. Donc, vous vous rapprochez près de ces lampes, comme ça. Ou vous les touchez. Ah bah ça y est, ça marche plus. Ça marche. Voilà. On va la positionner là. Voilà. Donc elle s'allume et elle va s'éteindre. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc nous sommes là pour entrer en contact avec les esprits de la chapelle, on va dire que c'est moi. Voilà. Donc vous voyez, vous approchez près de cette lampe, vous la touchez, voilà, pour entrer en contact avec nous. Voilà, ça s'est éteint. Alors, si vous êtes là, bah vous pouvez la rallumer, s'il vous plaît. Une des deux, au choix. Choisissez. Donc je vous remontre. Donc pour allumer la lampe, regardez, voilà, elle s'allume si vous passez devant, vous voyez, ou si vous passez devant ou si vous la touchez. Voilà. Pareil pour l'autre, elle est peut-être moins sensible l'autre, je crois qu'il faut la toucher. Voilà, celle-là, il faut la toucher un peu sur le côté. Voilà. Vous la touchez sur le côté, c'est bon. Mais je vais inverser les lampes. Parce que celle-là, le voyant, ouais. On va échanger. Parce que le capteur est sur le côté. Et celui-là, il est au milieu. Je pense qu'il y a plus de passage à travers la... Voilà, c'est moi qui allume. Voilà. Donc ça, après, ça va s'éclairer, ça va s'éteindre. C'est normal. Bonsoir. Voilà. Voilà, ça c'est éteint.
Alors, désolé de cet intermède. Voilà. Merci. Désolé. Ah! Regardez. Merci. Merci beaucoup. On va se rapprocher de cette lumière. Donc là, donc désolé les abonnés, on a été un peu perturbé par quelqu'un qui était. Comment dire, qui promenait son chien, hein, traditionnellement, parce que c'est l'heure, hein, il avait envie de faire son petit pipi, hein, comme nous. Hein. Et donc nous avons été un peu perturbés, donc c'est pour ça que je n'ai pas continué le live, parce que je n'ai pas voulu trop exposer ce qu'on fait, étant donné qu'il y en a certains qui sont un peu sceptiques. Donc je préfère pas éviter que de perturber le lieu en lui-même. Mais comme vous avez pu le remarquer, là-bas, ça s'est éclairé. Et il n'y a pas un pet de vent. Est-ce que c'est un insecte? À savoir. Nous allons nous rapprocher de cette lampe. Pour le moment, on va aller éteindre celle-là. Et puis après, si... Ouais, c'est moi ça. Voilà. Ça, c'est cool. Donc nous avons un premier contact. Bonsoir. Vous pouvez éclairer encore la lampe comme vous avez fait, s'il vous plaît. La lampe qui est par terre, que j'ai positionnée devant la porte. Vous passez devant, vous la touchez, ou vous la. Comment on appelle ça? Vous passez devant, vous la touchez comme vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez jouer avec. C'est un gadget. Ça nous permettra de... Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Donc voilà. Donc, pour entrer en contact avec vous, on n'a pas le choix. Donc, on a cette lampe qui nous permettra de savoir qui vous êtes. D'accord? Donc, pour valider nos réponses, nous aurons besoin... De réponse bien sûr de votre part. Donc est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous déjà? Donc si vous voulez bien communiquer avec nous, vous rallumez la lampe comme vous avez fait pour dire oui. Merci. Alors n'ayez pas peur, hein, ça fait pas de mal. Vous passez juste devant, vous la touchez, voilà, elle va s'allumer. Hein. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, hein. Ça ne vous fera pas de mal. On n'est pas là, on est là en ami. Donc moi je m'appelle Alexandre, je suis accompagné de GG. Hein. Nous ne sommes pas là pour vous juger, nous ne sommes pas là pour vous faire de mal, nous sommes là pour entrer en contact avec vous. Merci, merci beaucoup. Merci. Parfait. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. C'est parfait. Parfait, alors, est-ce que donc vous souhaitez communiquer avec nous? C'est parfait. Bah nous aussi, on est là pour ça. Donc, est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, vous rapprochez près de cette lampe qui est par terre pour nous dire oui. On vous laisse 10 secondes pour nous répondre. Merci. Ok. Est-ce que vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, vous rapprochez près de cette lampe pour nous dire oui. Merci madame. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci madame. Donc nous sommes enchantés de vous connaître et de parler avec vous. Merci beaucoup. Bah, vous aussi? Parfait. Parfait. Deux allumages consécutifs. Merci beaucoup. Comme quoi, elle est très contente aussi. Bah, nous aussi, on est très contents de vous parler. Alors, est-ce que vous êtes mort dans ce lieu? Donc, si vous êtes mort dans ce lieu, donc près de la chapelle, est-ce que vous pouvez nous dire oui? D'accord, parfait, merci. Génial. Voilà, c'est parfait. Euh,
D'accord. Vous êtes mort de la peste? Donc si vous êtes mort de la peste, vous rallumez la lumière pour dire oui.